L'armée en République dominicaine empêche gaz qui sont Haïti vienne vendre sous territoire dominicain dans contrebande. Yo saisi un paquet galon gaz, m'bral bon tout détail ça qui passé sous et frontière d'Abon, m'bral bon tout détail yo et en l'autre bord la police là kayan nous m'arrête deux employés l'église épiscopale dans question trafic zam. Et Samuel Madistin tout ça nous connaît qui c'est celle qu'on chante soi-disant dans question d'Amoun voyez pied pour arrestation si là qui fait dans cadre de recherche captain main à l'encontre des pères ville Madouche bral bon tout détail et gen ti wil nan go naïve monsieur ça li menacer fermer pays a oui ancien caporal GNB et en l'autre bord la police continue à déblayer la ria continue à lever barricade yo. Pral bon tout détail parce que moui la chargé pa gen tan pou nou camper habitant pa kon mise la ville comment nouye est-ce que n'ap kembe tande non. L'armée en République dominicaine fait un coup. L'armée en République dominicaine pousse griffe raison parce que te gen un paquet de gaz qui t'ap vinn vann sous marché dominicain, c'est-à-dire dans terre voisin même. Eh bien l'armée dans pays République dominicaine empêche ça fait. Divers moun qui sorti Haïti rentrer kay voisin pour aller vendre gaz dans contrebande. Yo vendre li tout mais marché selon information. Comprenez bien oui? L'aime dit mais marché par rapport avec prix normal gaz là dans toute pompe en République dominicaine. Qui s'est passé? Le commandement général Lamia qui c'est Carlos Fernandez Onofle, lui fait connait ça pas passer sous frontière d'Abon. Et le souligner moun sa yo c'est dans galon yo te pote gaz là. Est-ce que vous entendez? Pendant pas gen gaz Haïti, eh bien, gen un paquet haïtien qui vient vendre gaz dans contrebande en terre voisine. Et yon nan bagay qui pète un petit jan bizarre. Nan moment m'a parlé avec nous là, gen l'hôpital de l'hôpital Fondation Saint-Luc yo, yo risque fermer nan jou k'ap vini yo là pour question carburant. Pas gen gaz pour l'hôpital yo fonctionner. Et yo lance yon SOS bon côté tout fournisseur yo pour yo capable porter aide yo dans sens ça parce que produit ra ça qui vraiment indispensable pour fonctionnement l'hôpital là yo mande n'importe moun qui était capable faire rejoindre un petit gaz pour fonctionnement l'hôpital Saint-Luc yo l'étape vraiment important sinon l'hôpital yo risque fermer porte yo et ça grave là gen environ 153 ti moun 20, alors 153 timoun, 47 femmes enceintes et puis gagne 70 lots moun actuellement là qui dans des centres hospitaliers si là yo. Ou imaginez pour des portes l'hôpital ça yo fermé, c'est la vie 153 timoun, 153 bébés qui en danger. C'est la vie 47 femmes enceintes qui en danger avec 70 lots moun actuellement là qui en dans des centres si là yo. En tout cas, message à lancer, pendant pas gen gaz pa bon la kay nou, pendant bandi bloqué terminal Varé pour gaz pas passer, pour gaz pas sorti pour faire dispatching à travers pompio, eh bien gen kek haïtien qui déjà installé koyo en République Dominicaine pour yo vendre gaz là dans contrebande. Le prix a pas prix dominicain était supposé acheter gaz là à travers pompe, eh bien yo même yo vendre avec un prix piay. Autant de décoser ou dans les sacs fait dans la République. En tout cas, moi-même, ces informations à ba nou, kale jeune pour nous comprendre ça qui a passé à travers le pays d'Haïti. Abolotio qui a fait causer dans le pays en nous. L'autre détail, l'autre information qui m'a dit nous, dans la question ZAM, munitions que la police a découvert que l'église épiscopale d'Haïti habitué à faire entrer dans le pays d'Haïti. Pour fil pas capable dit pour fou pour fournir bandi aux armes avec munitions ces armes ça côté aller qui sont cap poser ben la police mettait en bas code des employés l'église épiscopale te gen deux déjà qui te gen temps en bas code dans même dossier ça et ben la police à peine arrêté des employés dans l'église épiscopale pays d'Haïti parmi yo gen Mamion Saint-Germain qui c'est messager l'église épiscopale d'Haïti selon information yo arrestation ça au fait dans cadre de recherche que DCPJ a tenmen pour joindre président permanent l'église épiscopale d'Haïti à qui c'est Perville Madoché. Malheureusement dans moment DCPJ débarqué dans bureau Perville Madoché pas dans bureau
Monsieur Namao, et c'est une information dit monsieur bon bon assemblée que l'a dirigé, bon l'église que l'a dirigé dans zone en Saga, là on va faire comme ça, la Gonave. A dit si la police besoin monsieur tout bon vrai, cherchez dans tout la coin. Et puis en logique tout non. Ça son petit bail tout petit m'a fait là oui, pour me besoin une réponse dans commentaire. On paix. On est cap bail pain. On est cap annoncer parole et Jésus-Christ. Yo index son bagaille, sous pas gagner pour la donne, pour qui sort marron. Question qu'a posé. Mais forme tout c'est dans même objectif ça. Gain maître Samuel Madistin, tout ça il pousser con. Maître Samuel Madistin, cabinet maître Samuel Madistin, mandé commissaire gouvernement capital là qui c'est maître Jacques Lafontan, camper sous exécution mandat là pour arrêter Père Jean Madocheville à cause dossier déjà dans cabinet instruction. C'est ça maître là lui-même, lui signaler pour maître ça et Jacques Lafontan. Est-ce que vous entendez? Il dit, Maître Samuel Madistin, c'est monsieur qui avocat l'église épiscopale d'Haïti, l'a défendu l'église là pendant DCPJ gen preuve à l'appui. DCPJ gen moun qui nan question l'église a fait trafic zam ak munition. Et bien pour Maître Samuel qui c'est youn nan membre qui nan organisation qui a défendu droit moun, et bien même moun yo qui a défendu droit moun nan. En tout cas mes chers amis, bagay la vraiment compliqué, bagay yo vraiment vraiment exagéré. Puisque nous connaissons le pays d'Haïti, pendant mon bouton là, le pays a levé sous mobilisation, malgré le mouvement fonti cassé, malgré un pile côté qui te gen barricade, barricade yon commence à disparaître, et bien, fom zou, gen mouche ti Will, ne kire le Will Fort Ferdinand alias ti Will, ancien chef rebel GNB, dans ville Gonaïve, mouche a sorti dans silence li, sous crise qui a bouleversé nan pays d'Haïti. Mouche a critiqué le premier ministre Ariel Henry, qui sont qui très cynique. Un premier ministre qui va pas le peuple aigle en un pour lui. Au contraire, au lieu pour lui gouverner le peuple, il semble ses propres affaires qu'il a gouverné dans le propre sens. Eh bien, il y a un petit Will, il fait une déclaration là, il fait qu'on est si PM Ariel Henry, pas dégager pour le soulager mise peuple là. S'il pas dégager pour le descendre gaz ça qu'elle moute bien haut jusqu'au sommet, eh bien, dans le jour que l'alvinio là, mobilisation pral prend en l'autre phase. Mobilisation an, li pral prend yon l'autre ampleur suite avec déclaration ti Will. Monsieur fait qu'on est li pral mobiliser tout ancien soldat la médaille yo. Monsieur fait qu'on est gen quelques policiers qui croient dans bataille peuple là. Li pral fait appel ensemble avec yo. Est-ce que monsieur gen tout l'autre ça? Est-ce que monsieur gen tout pouvoir ça? En tout cas, monsieur fait qu'on est li pral mobiliser depuis ces moun qui croient dans bataille depuis ces anciens Gren nan mounda yo. Depuis ces nègres aboto genyen qui genyen et brin doujou. Et bien tout moun sa yo pral met tête yo ensemble pour yo fon sel tabou la raza pour yo voye Ariel Henry aller. Mais pour sa fête, pays d'Haïti si vous est fermé. Ça c'est ti Will, commandant ti Will. Et comme ça te kon rele dans un temps. Mais il te font poser, mais c'est dit suite avec ça qui a passé actuellement là yo. Dans pays d'Haïti, suite avec façon li wè, grand goua, misère. Vle ou était peuple haïtien, eh bien lui-même il frappe bien sous table là et il dit nan jou k'ap vini là il pral annoncer la couleur. Nous songe nek sa yo nan époque pa yo, nous songe gren nan munda nek sa yo le ou prend la nek grabo to le ou prend la ri malgré yo positionné nan go naïve nek sa yo ka fè men pays a oui. En tout cas dégagez nous messieurs, fè ça n'a fè a. Mais pendant m'ap di ça tout pendant ti Will a parlé comme ça pour fermer pays a sous Ariel Henry, gagne un PNH li même qui travaille d'arrache-pied pour voir comment capable déblayer la ria. Zamalame nèg yo très et mondong, comprend nèg yo gen mine nan fond yo. Mon cher yo monte mouvement qui a fait à l'époque moun qui t'a vle camper des barricades vinn prend pause et menacer moun. Mon cher yo capable joindre café yo qui coule ensemble avec ma. Pour une autre fois encore, la police débloqué li la voie. La police débloqué li zon latent pour citer zone ça seulement. La police on prend qui trouve, alors on dit nous tout, il y a un pile barricade qui est trouvé dans quelques zones dans le coin des bouquets. La police fait des machos pour débloquer les zones. En parlant de la voie, la police débloque, mais il y a l'autre qui passe là tout. Depuis, il y a un barricade qui n'est pas de côté, la police suppose paraître débloquer la ria. Et je dis toujours, il y a France LB dans le petit soulier, suite avec information pour France LB dégager pour permettre circulation libre. Pour pas aucun inconvénient, les moun yo sorti, vle sorti là pour aller là. Et il y a un pile moun qui baille disons yo sous question pays lock,
mettez barricade, yo di ça yo pas au profit des moun ki nan mas la. Moun ki pa gen kòp, moun ki pa gen moyen pour quitter pays nan moment. C'est parce que gen pile moun ki voyage pendant 2-3 semaines que pays a fait bloqué. Ou pas de comme ça? Oh oui, en pile moun ki te pays a sa cal en terre voisine aller, sa cal aux États-Unis d'Amérique aller parce que accès a été vraiment vraiment difficile et actuellement gen moun nan quelques zones jusqu'à présent même s'il pas en pile parce que ça ont déjà apaisé, k'ap plein pour question de l'eau que ou pa ka joine pour faire besoin, de l'eau que ou pa ka joine pour boire. En tout cas, la police a travaillé, zam à la main. La police dans moment là contre souci pour le débloquer la rue. Tant... Non. Information ça. Bon, ça me pas qu'à dire qu'il vrai, ce qui est normal d'ailleurs, il faut que directeur de parti, président de parti, conseiller de parti ou bien encore tout le monde parti politique, nous parler entre eux-mêmes et nous parler avec d'autres qui viennent des solutions à crise là, parce que. Ça va vivre aujourd'hui à la guerrier tout seul et on vit des moments d'angoisse dans le pays. On peut y fermer à nouveau. Et des petits mouns qui année académique sont menacés. Ils ont quand même commencé à année, mais où est-ce que c'est qui gagne. Et nous avons pris toute la crise le problème des petits commerçants, grands commerçants qui ont perdu bien, qui ont perdu l'activité. Et famille qui a famille qui vient vie, qui fait maintenant caille depuis plus de deux semaines pratiquement maintenant, qui n'a pas gagné de l'eau, qui n'a pas gagné d'électricité, qui n'a pas gagné manger. Et enfin, d'être capable de dire une peuple, un peuple haïtien qui est inquiet avec des jeunes qui ont demandé des choses pour l'avenir. Donc, face à tout le bagage, barricade qui est dans la rue, c'est fini, d'académie, pour ça, tout le monde est là, et ça, c'est pas sur le dirigeant. Il est normal que le dirigeant parti politique, il est réuni. Unis à participer dans la réunion ça y est, et nous pensons que nous estimons qu'il y a des solutions à problèmes. Parce que c'est ça que nous toujours souhaiter. Nous souhaitons que la division politique, yo, c'est autour d'une table qu'il est capable de discuter pour une solution. Ce n'est pas un affrontement dans la rue. Ce n'est pas dans mettre des âmes dans le monde dans la rue qui va faire une solution à crise. Là où une solution qui est capable de durer. Les solutions que nous devons joindre aujourd'hui sont solutions qui pour remettre campé et ce figure et pays, qui pour relever dignité pays noir et dignité chaque haïtien. Parce que aujourd'hui, là, nous presque pas une solution à problème de main nous. Et ça, c'est lui-même qui m'a dit, c'est comme une sorte de capitulation liée pour un pays qui devient indépendant et qui est souverain. Et lorsque pas une solution à propre problème, c'est que c'est l'autre monde qui a imposé des solutions. Et nous-mêmes, nous toujours voulons que solution rejoigne dans l'esprit de rassemblement, d'union, de réconciliation tout haïtien. C'est ça qui est bon. Cependant, et bon, je dis ça rapidement parce que dans différentes propositions, il y a un consensus qui commence à rejoindre et de part et d'autre. C'est une nécessité pour mettre campé au conseil de la transition. Dans deux réunions que l'Union a participé avec deux groupes différents, c'est ça qui est ressorti comme nécessité politique, je ne veux dire là. C'est-à-dire pour le gouvernement pas été seul au pouvoir, mais bien chapeauté par un haut conseil de la transition, car bien là-dedans, évidemment, des représentants de partis politiques et d'autres secteurs. Nous pensons que c'est une bonne démarche, que d'encourager des marches, à participer dans la discussion. Cependant, on vient ajouter un bagage qui pose une préoccupation pour nous-mêmes dans l'Union. Nous tendez le secrétaire général des Nations Unies. Nous tendez l'autre voix officielle dans l'international, la voix américaine et autres, qui parle, qui dit que ça qui a passé dans le pays d'Haïti, au-delà de problèmes sociaux sérieux qui gagnent, le secrétaire général des Nations Unies a reconnaît que faut être des familles ou des subventions. Le problème gaz a posé en pile de difficultés pour. Moun yo qui croit que la vie a calvin piché, et prend un course camionnette, un taxi, moto calvin piché, l'école calvin difficile, etc., peut être subventionné. Mais il dit tout dans la déclaration, là. Et c'est une parole qui répète en pile. Ça a passé dans la rue à côté de Zam là dans l'an, il y a des groupes politiques qui sont réels, il y a des groupes économiques. Alors, nous-mêmes, dans l'Union, qui est en discussion, ça y est, nous ne pouvons rien, mais à le signer, même côté avec des groupes politiques. Qui a créé des ordres dans le pays, qui a mis des armes, qui a baissé des armes à gang pour faire des ordres dans le pays. Ça, ils sont gros soucis pour nous, pour que signature unie, rété, une signature peut-être que je suis capable de dire qui modeste quelque part, parce que il y a des gens qui qualifient de grands acteurs politiques et de petits acteurs, des acteurs moyens. Ah ben oui, d'accord, unir et 8 ans d'existence. C'est peut-être un acteur moyen que lui est un grand acteur, mais cependant,
nous avons une grande vision pour le pays, pour nous vivre en paix, pour nous vivre dans l'union et surtout pour nous faire politique autrement. Donc, nous-mêmes, nous avons demandé aux Nations Unies pour qu'ils révèlent au public qui groupe politique ça y est, qui a alimenté gang ça y est, qui a nourri gang ça y est, qui groupe économique ça y est, pour que nous prenions signer un accord qui est capable bon pour le pays, pour coiffer le gouvernement, de au conseil de la transition, qui ne va pas quitter le pouvoir, qui va faire tout ça, les gens veulent, car nos perspectives électorales pour bon équilibre dans la gestion du gouvernement, dans la gouvernance. Donc nous m'a dit, oui, pour unir, participer et signer, il faut que les choses claires, pour nous connaître, ne pas poser signature, nous, même côté, avec le groupe qui a fait des autres dans le pays. Discussion ça yo Clarence ou non y a fait na quel niveau? Non, y a fait à tous les niveaux, mais capable y a fait au niveau national, y a fait au niveau préoccupation internationale là tout et on va autoriser de citer non mais Mabdou Younader par exemple, président Sénat Joseph Lambert, on va continuer bien ensemble sénateur d'Eli dans une démarche que nous saluons nous-mêmes dans l'Union parce que premièrement lui dit que il est désintéressé à toute position dans sa affaire. Seul souci, il fait une solution qui joue à la crise là. On a participé comme nous depuis 2 semaines dans la discussion avec lui et avec d'autres acteurs politiques que m'a autorisé citer nous là. Et pour eux, s'il y avait une solution à la crise là. Oui, mais une solution ça, nous pas besoin ni sans équipe qui est au pouvoir. Donc, qui implication Ariel Henry dans la démarche ça, dans la discussion ça? Pourquoi je dis à gagner une. Ça m'a capable de dire un effort qu'a fait. Il a brisé au niveau même de sacrifice pour certains monde qui pour détacher de position de certitude qui ont été gagnées longtemps, position de comme on dirait la déflexibilité qui ont été gagnées depuis longtemps, ils ont envisagé une cohabitation avec le premier ministre Ariel Henry qui l'a. C'est lui-même qui a une réalité pour voir la même. Moi, pas voulu parler dans la voie président Sénat. Même trouver la Kaili en sagesse, lui dit ça, lui même tout. Lui dit que, je veux dire, la réalité a fait que, il y a un monde qui est au pouvoir, c'est Dr. Ariel Henry Kelly, et c'est une que toujours reconnaître, pour dire, mettons un gouvernement équilibré avec lui. Donc, il est possible pour que solution qu'a cherché, il joue avec le gouvernement qu'il a, mais sous certaines conditions, évidemment. Prix gaz, l'autre problème qui vient dans le pays encore, question de gang qu'il a, qui va jamais du tout depuis un an. Donc, gagner des discussions qu'a fait, moi, je pense que les discussions sont difficiles, intenses, longues parfois, et nous sommes capables de nous travailler à minuit et soir dans la discussion dans le téléphone avec plusieurs groupes monde, plusieurs groupes partis politiques, représentants de plusieurs secteurs. Mais, encore une fois, nous, dans l'Union, nous avons le souci que, qui n'a apposé dans le document, que pas gagné aucun monde. Identifié sur le plan international, je suppose que le secrétaire général des Nations Unies n'a pas parlé dans le vide, pour dire qu'il connaît que des groupes armés qu'il a, c'est des groupes politiques avec des groupes économiques qui sont là. Donc nous voulons prendre précaution ça et nous demander à ce qu'il identifie clairement pour que signature, par exemple, pour garder des signatures de groupes de bonne foi et de bonne volonté pour chercher une solution à la crise politique. Ça. Et si bien sûr, dit ça, Clarence Renoir, discussion ça, il y a mené sous qui leadership et il doit aboutir à qui ça? On dit que le président Sénat, Joseph Lambert, a mené une bagarre de groupes. Il y a d'autres groupes qui travaillent toujours, qui m'a autorisé l'homme, qui, que ce soit dans le secteur privé, dans la société civile, il y a identifié des propositions. Il y a même tout qui a fait la même proposition, mais dans le même sens. Et c'est dans ce sens-là, on dit qu'il y a un consensus non formel qui joue entre différents groupes. Qui d'accord, je veux dire, pour bien au Conseil de la transition, qui pour accompagner un gouvernement. Qui vont premier ministre en tête. Maintenant, c'est qui limite au conseil là, qui pouvoir, qui capacité que le bras gagne pour créer équilibre effectivement, pour que par exemple, balance ne va pas passer au côté, pour créer inquiétude de la partie politique qui occupe pouvoir, la carte tombe dans le camp, si une élection, si une élection équitable qui fait. Je dis à, moi je pense que si tout le bagaille va aller, on va aller à là, nous allons aboutir quand même avec un haut conseil de la transition qui va l'accompagner, quel que soit le gouvernement qui a fait là. C'est à partir de implication dans la discussion ça yo qui fait par exemple moi gagner de liste cap souti moun qui éventuellement ta capable vinn ministre et moi non et soit penser de ça non pas quoi c'est à partir de bagage ça c'est une réunion que n'a fait là que même pas pour la dedans pour venir c'est des réunions très importantes
très sérieuse, je vais dire comme ça. Maintenant, tout le monde qui voulait sortir des propositions côté, ils ont utilisé le nom de la reine, justement, avec la Dani, ils ont libre de faire. Et je pense que quelque part, c'est une bonne chose que ouais, la reine, que nous avons comme le monde qui a porté solution à problème de guerre. Donc, il y a des gens qui sont libres, qui font des compositions de gouvernement, qui mettent la reine sur la première ministre ou bien le président provisoire. Eh bien, c'est bien. Pour unir, c'est une bonne chose, quelque part, l'opinion. Commencer à reconnaître que nous, tes grandes paroles de vérité que nous avons depuis longtemps, nécessité pour nous dialoguer entre nous-mêmes. Depuis ce jour-là, la BPT. Il y a un pile de monde qui est d'accord avec nous, mais je vous dis à la source 47, là. Il y a une discussion 47 et nécessité pour nous travailler ensemble, pour nous diriger le pays ensemble, non. Les poser, je vous dis à la, dans HCT, ça, au Conseil de la Transition. Maintenant, les rumeurs qui viennent, yo, je pense que il y a, je dis à les réseaux sociaux, faciliter pour nous faire ça, ouvrir, puis ça, ouvrir tout. Je rappelle, mais en même temps, nous-mêmes dans l'Union, nous sommes d'un bon oeil que l'opinion publique a reconnaître la partie politique qui veut l'Union, là, une partie qui a prêché la réconciliation, l'union, la paix, la non-violence et surtout qui a prêché la capacité que nous devons gagner pour nous dialoguer entre nous-mêmes haïtiens, pour nous donner une solution à problème, nous, pour ne pas quitter chaque fois qui est imposé ou qui est imposé nous des solutions qui sortent de l'extérieur. Monsieur Renoir, depuis pratiquement un an et deux à trois mois là, le président Jovenel Moïse fin assassiné, tout le monde était en attente pour comment acteurs politiques ensemble avec des membres au niveau de la société civile, t'as qu'à joindre ou encore ne serait-ce que minimal pour commencer à mettre le pays à sous bon rail, mais jusqu'à présent encore ça lui fait encore attendre. Qu'on y a là moi-même t'as qu'à poser aux questions ça. Gagne plusieurs accords qui signent déjà, gagne plusieurs groupes qui mettent ensemble, qui font des discussions, qui aboutissent à des propositions, mais pas jamais vraiment gagne rien qui bouge dans les solutions à crise là. J'aime Dakamando qui garantit gagne que nouvelles discussions ça eux-mêmes, ils pourraient essayer et de nous joindre soit des pistes de solutions ou des solutions, mais des solutions proprement dites dans le cadre de crise pluridimensionnelle ça. Je pense que la crise, là, dans la dimension sociale, la pluridimensionnelle, là, nous avons une solution pour lui, là, avec quel que soit accord qui est là. Là, prend plus de temps. On ne parle pas de la vérité avec le peuple, là, parce que son pays qui a souffert depuis 280 années, son pays qui a une justice sociale là-dedans depuis 280 années, son pays qui a une majorité qui a souffert là-dedans depuis tout le temps, là, prend plus de temps pour qu'on redresser la situation sociale, ça, qui débalance complètement la vie dans le pays, qui fait que les gens, qui a des sentiments de haine pour d'autres monde parce que je pense que avec un petit groupe de riches qui a fait tout le pays à pour contre, puis une masse pauvre qui était dans la misère pour contre. Pareil, ça a mené nous dans des situations d'affrontement entre peuple avec peuple. Les peuples à barricade de peuple dans la ville, là, par exemple, dans le quartier, nous, c'est lui qui a souffert encore. Et lorsqu'on lit de politique à pousser à faire des actes qu'elle va devoir faire, il a exposé la vie, nous, nous. Mais pensez que je n'ai aujourd'hui donné du temps pour nous dire, OK. On nous chita autour d'une table comme des gens responsables pour nous donner une solution. Maintenant, solution ponctuelle, à crise ponctuelle là, moi-même, je crois qu'il y a des acteurs clés là-dedans. Il y a un acteur clé aussi, le premier ministre, Ariel Henry. Ariel Henry n'est pas légitime au pouvoir. Il faut nous répéter ça pour le connaître parce qu'il vient pas dans la tête. Il n'est pas légitime, ni là. Pardon? Henry Clarence. Oui. Moi, je dis. Il n'est pas légitime, il n'est pas une légitimité politique, il n'est pas une légitimité populaire. Il faut chercher la légitimité. Ça. Moi, c'est ensemble de réunions qu'a fait par là, ensemble de discussions qu'a fait par là, ça va permettre que bon légitimité qui est accordée à un gouvernement, qui doit un gouvernement de sagesse, pour une femme de sage, pour comprendre que il n'est pas capable de décider tout seul et rester là pour contre lui, avec soi-disant un accord en septembre qui caduque. Trois camions là dans la sortie et à quoi la inefficace et inefficient dans le résultat que le côté. Maintenant, sagesse politique pour le fait que nous tous ensemble, pas lui-même seulement, nous tous ensemble, nous faisons des concessions, nous sortons dans la zone côté nous pays avec toute certitude politique, conviction politique que nous avons gagné, que nous ne pouvons jamais céder, nous ne pouvons jamais signer, nous ne pouvons jamais chiter avec un tel ou un tel. Moment où je vous affecte, mais il faut que le résultat. Il faut une satisfaction pour la population haïtienne, dans la vie quotidienne, dans la sécurité qu'on a besoin pour que nous circuler, reprendre le maillot. Unir bien des jeunes, pour me parler de tête, mais unir bien des jeunes qui sont bloqués depuis deux semaines dans le Grand Sud, de vacances de la Caillou. Nous allons travailler ensemble à cette formation pour nous. Nous bloquer.
Est-ce qu'on imagine combien de monde dans le pays qui est bloqué dans la même situation ça? Si le monde qui est envie à l'école qui n'est pas capable, l'école a obligé de reporter à cause de crise politique et crise économique. Tout. Donc tout bagage ça fait que nous avons obligation de faire une solution. Mais il faut encore une fois que la solution, hein, pas mélanger tout le monde ensemble là-dedans. Parce que si les Nations Unies identifient et reconnaissent qu'il y a des groupes politiques et des groupes économiques qui ont créé des autres dans le pays, qui ont des armes et munitions à gang, l'argent à gang et des autres, il faut que les groupes soient clairement identifiés pour ne pas quitter le monde à chier un bon côté, parce qu'on va être complice, innocent de monde qui a créé des problèmes. Nous-mêmes dans l'Union, nous voulons gagner ça comme exigence de signature. Monsieur Renoir, bon mando ça. Et il y a des gens qui sont capables, ou elles comme ça, discussion ça, ils sont capables de considérer comme un groupe qui est prêt à constituer à l'avenir une certaine pression politique pour pousser le gouvernement et négocier. Et du coup, il y a des gens probablement qui peuvent gagner des jobs, soit au niveau de ministère, au niveau de direction générale, et puis ça passe. Le problème y aurait été entier. Donc, qui garantit que les gens sont. Et deuxième volet, question que vous avez fait d'une pierre de coups. Vous parlez de possibilités pour un au conseil de transition, par contre, si je me trompe, d'abord, je demande qui côté au conseil, ça lui-même, il peut le siéger. Ah, écoutez, on pose des questions que je ne peux pas répondre. Qui côté le pral siéger, je ne connais. Est-ce que c'est dans le palais national, il va le siéger? Est-ce que c'est dans le palais national, il va le siéger? Il va le prendre, il va cohabiter. Moi, bien tombé en sens là, avec le gouvernement, le premier ministre, je ne connais. Mais ça me connaît, ça me comprend que je dis à là, tant au niveau national que international, il y a une nécessité et pour sentir gagner une poche envers cela, pour que gagnons un reconseil de la transition qui n'est pas quitté pour les ministres pour conflit. Parce qu'ils se battent prévu là pendant une année et demie, presque de 14 mois, que direction la prend d'abord. Et direction la prend, c'est lui qui mène nous dans sa nuit, je vous dis à là, tout. OK? Donc, au conseil de transition, hein, quel que soit côté de la CIGA dans le pays, la gagne une mission, sans doute, la gagne une mission, vous comprenez pas, vous dites, la gagne une responsabilité, mais qui vos responsabilités, à mon avis? Ces capacités au conseil va bien parce qu'elle va le composer de différentes entités, ces capacités, elle va bien avec ni pour les ministères, avec tout ce qui est là, et c'est le souhait, quelque part, pour que ne pas déséquilibrer tout bagage, mais que l'irrité, mais. Il était dans un cadre consensuel global, ces capacités de groupes saoudiens pour cohabiter ensemble, pour travailler ensemble, pour bien payer, non pas pour bien un groupe, ou bien un secteur, ou bien une chapelle politique, mais pour l'intérêt national. C'est ça l'enjeu pour nous-mêmes dans l'Union. Nous avons envie de participer à nos bagages comme ça, qui est capable de dire allure, qui est capable de dire historique, révolutionnaire, qui dit, oh, pour la première fois, mais haïtiens, mais têtes ensemble, à travers un conseil, sans que nous parlions de discuter, de partage de place, etc. Il faut que des gens qui occupent la place. On va quitter l'État sans monde là-dedans. Et plus il y a des gens qui sont là-dedans, mieux ça va vaut. Plus il y a des gens qui intègrent là-dedans, mieux ça vaut. Plus il y a des gens qui ne sont pas corrompus là-dedans, qui ne sont pas campés dans un crime d'argent ou de sang, ils sont plus bons pour l'État, ils sont plus bons pour le pays. Donc nous-mêmes, nous souhaitons ça vivement. Cependant, ce n'est pas la première préoccupation. La première préoccupation, c'est une formulation pour qu'il y ait un gouvernement qui a pour côté, qui gagne non seulement au Conseil de transition à la partie au HCPA, mais en tout qui gagne une instance, un organe de surveillance de l'action gouvernementale, pour que on sorte de parlement, qui n'est pas un parlement réel, qui n'est pas élu, mais qui va là pour veiller qui sera fait là, dans l'intérêt là. Qui sera fait là dans l'intérêt là. Comment l'élection a déroulé? Est-ce qu'elle va le faire bien? Est-ce qu'il va pencher vers un côté ou bien vers l'autre? Moi, je pense que si nous mettons trois structures ça en place vraiment pour recréer un semblant de démocratie dans une période de transition, pour ne pas quitter le pouvoir là, non mais un seul monde, comme on dit aujourd'hui là, on a favorisé un dégel de situation, là-bas, on a certaines garanties que tout le monde est capable de jouer la politique là, et que quand on va participer dans l'élection avec qui est tout d'esprit quelque part, que ils sont capables de circuler dans le pays, ils sont capables de faire campagne, que candidats sont capables de sortir, que électeurs sont capables de voter avec certitude que voiture a compté, et ça va permettre que nous sortions dans le crise. Mais tout le qui va le faire là, qui fait sans consensus global, ça qu'on a essayé de mettre en place là, où on a fait cavalier seul comme premier ministre a dit du pouvoir pour conflit, on a débouché sur de nouvelles crises dans le pays, lorsque il y a une élection faite,
avec toute contestation qui s'attache à l'ODN et tout problème qu'elle a mené par rapport à une situation que un seul monde dans ce pays a pas de résultat déjà et pas de résultat pour continuer jusqu'à ce qu'elle a quitté le pouvoir là. Et c'est ça n'a pas les jours aujourd'hui là. Et c'est ça nous donne envie de discuter et nous-mêmes nous à l'aise en discussion comme ça pour que nous rééquilibrer gouvernance pays a, là, balle une certaine crédibilité, il doit y avoir crédibilité ça pour que peuple là, pour que parti politique croit dans sa capacité d'avoir fait pour le monde et pour nous aller vers une sortie de crise qui est capable plus durable que nous, un cavalier seul, encore pour me répéter moi, un seul nègre qui seul mettra bonne très salvé. Lui monte pris, descend pris la ligne du lit, lui prend disposition en tant d'amende au commun conseil, au conseil de transition à la pour ça, et organe de contrôle de transition capable là pour ça tout, pour que pays a joigne on aller mieux, lui joigne on équilibre, lui joigne on quiétude d'esprit pour qu'il à l'école de sécurité de dans le pays. Renoir, et gen moun ki ta ka di là c'est on accord et en plus l'on connaît gen de l'autre proposition ou de accord qui essayait discuter déjà sous table là et autour de yo gen un certain consensus nous ka parler de Montana de peine tout ça et est-ce que le pata bon pour ta retourner vers travail qui était fait déjà yo pour renforcer yo corriger yo pour éviter pour ne pas gen de l'autre accord ou de l'autre démarche de proposition et puis t'as passé puisque il y a urgence là. Oui, vous avez raison, c'est une belle question. Mais à ma connaissance, ça qu'a fait là, l'a fait avec tout acteur qui a un accord et même ça qui n'a pas bien accord. Et le groupe qui a bien accord là, il est non aligné. C'est-à-dire qu'il va aligné sur aucun accord. Uni, c'est une nada. Uni, pas de gens qui ont aucun accord. Mais à ma connaissance, c'est ça qu'a fait là. C'est pour éviter justement. Que on le groupe apparaît et dit qu'il y a une solution seule à lui-même. Il est nécessaire que nous mettions ensemble. Je pense que le parti politique, le regroupement tout est là déjà. Parce que, Gérinel, moi-même tout, dans l'Union, nous sommes capables de briter, nous déclarer que la Réunion sera président provisoire et nous allons mettre la parler à lui. Moi, j'ai une responsabilité ça, pour m'aider pays à ce dans sa vie. Moi, j'ai pris une responsabilité. J'ai des capacités pour me prendre, j'ai une crédibilité parce que tout le monde qui l'a appris. Je n'ai aucune charge négative d'ailleurs dans la gestion de l'État. Mais moi, dites-moi, il est plus bon si nous mettons ensemble pour une image d'unité, pour une image de solution beaucoup plus durable et qui plus satisfaisant quelque part pour tout le monde, pour que nous allions ensemble vers des solutions. Côté solution, ça va permettre que nous sortions de la mer. Pardon. Si chaque groupe qui est d'accord là, vous voulez qu'il y ait un accord par le revenu par la plus bon, et c'est lui qui doit s'imposer. Mais nous ne pas sortir de la crise que nous avons là, je ne là. C'est peut-être ça, moi, je pense que il y a deux bagages qui sont importants. Un, ma priorité, la capacité nous pour nous mettre tête nous ensemble pour nous jouer une solution en commun. Et deuxièmement, nécessité qui gagne pour que nous distinguions le bon grain de livret. Il y a un bon grain là qui voulait mettre tête sur un bagage là pour nous signer des accords, pour nous signer d'ailleurs. Nous participons dans le film déjà, mais vous avez parlé de. Pascal Abouyem tout à l'heure là. Nous participer dans des réunions déjà côté de notre point de vue nous. Sans intérêt, nous avons besoin de poste politique. Mais nous devons payer à ce qu'il y a une crise de pays là. Dans l'élection pour nous, si le peuple appelé nous. Mais il faut que nous fassions tria pour que nous ne quittions pas mélange fait entre des partis politiques, des jeunes qui veulent prendre des initiatives dans le pays là. Et qui veulent aider le pays à sortir de la crise côté de là, avec des partis traditionnellement qui se damnent. C'est tout ça qui a bon la peine au pays, là, parce que vous voulez, c'est vous pour tenir le pouvoir, c'est vous pour grand pouvoir dans n'importe quelle condition. Ça, nous, on va accepter ce là d'ailleurs. Oui, non, par contre, peut-être si c'est. Je posé question ça tout à l'heure, parce que tout ça qu'a fait là, toute rencontre, toute discussion qu'a fait là, je me dis là, on pas qu'a fait sans. Ariel Henry, donc est-ce que il y a des contacts qui fait avec lui? Est-ce que lui-même est d'accord avec l'idée ça ou du moins c'est des bails que nous allons poser à l'équipe là? Ma réponse de deux manières et de manière très franche. Premièrement, personnellement, avec l'accord de unir le parti que l'on a dirigé, il y a 15 jours de ça, même plus, que nous avons voté pour le ministre Ariel Henry. Mission, c'était Alville, pays à Pabon. Pardon, Jean-Louis Yara, il faut qu'il consentisse un effort pour que il rééquilibre le gouvernement. Hein, et nous même utiliser le mot ça, faire un gouvernement plus vertueux.
au lieu de gouvernement, dans l'esprit d'un équilibre politique ou de stabilité pour nous personnellement, le pays a déséquilibré lui-même parce que il y a des gens qui ont le pouvoir, le peuple n'est pas d'accord avec les gens qui ont dans la direction côté où il y a, les gens qui ont des mauvais passés, les gens qui ont des mauvais trajectoires qui ont été faits, les gens qui ont des ministres, qui ont tel problème, tel problème, tel bagage qui ont été fait, mais côté où ils prennent l'entrée sur cela, on fait un bagage qui va inspirer les jeunes, que dire, même tout, d'ailleurs, ils étaient propres, d'ailleurs, ils ont fait effort de rester propres dans la vie pour que le cas le pays proprement qui demain. Ça, c'est la première démarche là. On a fait démarche là. Maintenant, libre pour le ministère de Tandy, l'idée que nous avons dit, nous avons rempli notre devoir de parti politique, toujours prêt au dialogue, pour nous dire qu'il n'y a pas de cas une solution dans vous mais c'est dans le dialogue. Une solution durable, côté monde a besoin de faire du la vie, côté monde a besoin de faire du bien, c'est dans le dialogue pour le jeune, dans la concertation pour le jeune, dans la concession pour le jeune, mutuelle. Maintenant, je comprends, je répète, qu'au niveau de la communauté internationale, il y a une tendance à d'accord, je ne vais pas dire certitude, parce que je ne vais pas parler avec le monde dans la communauté internationale qui dit ça, mais il y a une tendance à accepter, à être d'accord, et ceci sera aussi dit au Premier ministre, alors, qu'il ne peut plus diriger seul, il doit diriger avec l'autre instant qui est au Conseil de la transition. Par contre, si demain matin, nous avons changé. Maintenant, toute discussion me passe, et même nous sommes retrouvés, HCT, retenez bien le nom, Gros Conseil de la Transition. Si ça a gagné une commission, avec certaines prérogatives que l'a gagné, eh bien, l'a gagné pour mission accompagner le Premier ministre, hein, pas quitter le pour conclure. Veillez à ce que ça a fait, vous faites bien, vous faites dans l'équilibre. Ma précaution pour m'aller ou non, ça qui vient dans le contenu proposition, parce que ce n'est pas responsabilité de la Pontelle, mais m'a interprété pour nous comprendre. Donc, l'esprit a, oui, pour le ministre, je dis à la, moi, pas quoi que le capable prétendre diriger seul avec 11 septembre, l'idée, c'est que les gagnants ont accompagnement dans le conseil de transition pour rééquilibrer la gouvernance PIA, bah, plus de crédibilité et de légitimité politique. Pour nous aller vers des élections qui sont plus crédibles, des élections qui sont moins problématiques, parce que si pas de ça, le ministre n'a pas capable de faire élection pour continuer le pays. Pas de monde qui va l'élection à Avel, ou bien l'élection, ça va être une élection contestée avant même que le commence à faire. Donc pour éviter tout bagage ça, moi je crois que la sagesse lui commande à lui, Dr. Ariel Henry, et à nous autres partis politiques, pour nous travailler ensemble, pour nous chercher à stabiliser le pays. Parce que tant que le pays n'est pas stabilisé, tant que nous allons utiliser le monde dans la rue pour nous créer sécurité et sérénité pour les gens qui investissent, pour les jeunes garçons, les jeunes filles qui continuent à l'école, à la formation, jeunes jobs, pays ça, là toujours un pays qui a profité l'image, qui a profité sur les réseaux sociaux, et il n'est pas bon pour nous, il n'est pas bon pour les jeunes, il n'est pas bon pour la vie du pays. Il faut nous entrer dans une période plus ou moins longue de stabilité pour nous commencer à mettre les pions en place pour que le progrès soit dans le pays. Pour chaque jour, souci gouvernant, c'est améliorer la vie haïtienne. Chaque jour, pour les gens qui sont pauvres, les gens qui sont dans le ghetto, ils connaissent que c'est pas l'air. Pour les gens qui sont dans le bidonville, ils connaissent qu'ils ont sauté côté où ils vont aller dans l'autre côté, dans l'autre quartier. Ou le quartier, ils vont le transformer. Ils vont avoir l'électricité, ils vont avoir l'eau, ils vont avoir l'école, ils vont avoir l'hôpital. Au lieu que ces âmes, que les jeunes, ils vont écrancher la caille, ils vont tirer l'une sur l'autre. On va compter 417 notre jour là dans le pays là. On ne pas parler de bagarre ça, on ne pas connaître. Je pas dit dans la presse. Mais on 417 notre pillage dans notre zone et en bas la ville là l'autre jour. Il y a une tirée sur l'autre. Plein de monde qui mourit, plein de monde qui est blessé à l'hôpital là où on a connu. Un paquet blessé par balle et des morts. Et une telle des choses horribles. C'est ce qui arrive de venir l'autre jour là. On condamne des comportements contre ces policiers bien. Il y a ramassé des monde à l'appel qui va mourir. Mettre en bas des bris pour le jeter. Ça, c'est un bagage que nous devons effacer nos comportements nous, pour que Haïti, et ça, c'est le rêve et le travail que l'Union a fait, que mon aime sur là-dedans, pour que nous ayons notre image, pour nous faire politique de manière plus moderne, pour nous pas un champ de combat, un champ de guerre, côté frère, tirer sur frère, soeur, tirer sur soeur. Non, libérer un côté, nous capables de parler ensemble, nous capables de donner des solutions en commun pour nous retirer le pays, nous, la salle là. Pays à l'aide n'est pas bon, et en plus de cela, que pays à l'aide n'est pas bon, nous avons l'économie, les problèmes sociaux, c'est que nous ne pouvons pas mettre tête dans le pays. On garde qui j'aime retrouver dignité, ça, pour nous diriger tête, nous, pour 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 nous, p
Merci beaucoup, Clarence Renoir. Allô? Yeah. Allô? Oui, mais là, oui, pas besoin de vous dire. Allô? Allô? Oui. Allô? Merci un peu, Clarence Renoir. Merci beaucoup. Voilà.